Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-les sortir. Des cordes, des cordes. Circuler. Encore des cordes. Toujours des cordes. Pout-pout, c'est le quatrième ouvrier qui devient fou cette semaine. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Je dis que c'est le quatrième ouvrier qui devient fou avec ses cornes. Il peut rien. Il n'y a pas une seule corne en sol mineur à laquelle il résiste. Tu entends? Silence! Montez celle-ci en sol mineur. Bien, monsieur. Quoi? Est-ce que l'ambulance revient bientôt? Certainement. Pose cette trompe sur la table. Tu as besoin de moi, Ollie? Non. Espèce d'imbécile, tu vas me couper ce TSF. Si tu n'arrêtes pas, je vais te faire jeter dehors. Stan, as-tu entendu? Arrêtez! Tu entends quelque chose avec ce chahut? Oui, ça rentre dans cette oreille et puis ça sort de l'autre côté. Je ne m'en aperçois pas. Eh bien alors, elle est prête cette corde? Non, je ne l'ai pas encore prête. Je vais tout vous dire. J'ai décidé de ne pas y toucher. Des cornes en sol majeur, des cornes en fa mineur, des cornes en si bémol. Ah! Arrêtez! Des cornes. Tenez-le. Allô, du calme. Oh, non, monsieur Harkin, faut pas vous fâcher. Du calme, je vous en prie. Reprenez votre... Jette-moi ça. Je vous conseille, monsieur Hardy, de rentrer chez vous tout de suite avec monsieur Lorraine et d'aller chercher un docteur. Je crois que c'est la voix de la raison. Oui. Dépêche-toi, Stan. Merci. Tu viens, oui ou non? Merci. Dépêche-toi. Voulez-vous retourner à vos places? Moi, je suis bien tourné. Cette corne tranquille. Mais laisse ça.
arrête-moi cette corne. Pourquoi est-ce que tu marches de cette façon? Je ne suis pas si malade que ça. Ne crois pas que c'est pour toi. Alors pourquoi marches-tu de cette façon? Je crois que j'ai un clou dans mon soulier. Eh bien, assieds-toi et retire-le. Attendez un instant. Allô? Allô. Ici le docteur Finlayson. Oh, une minute. Allô? 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 Je suis le docteur Finlayson. Il ne s'est pas téléphoné, il a raccroché. Allô? Allô? Ici c'est le docteur Finlayson. Je suis bien chez Monsieur Hardy. Ok. Au revoir.
Qui était-ce? C'était le docteur. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il viendrait peut-être te voir dans une demi-heure ou bien dans 30 minutes. En tout cas, dès qu'il sera là. Qu'as-tu mis dans cet ustensile? Oh, viens. Ça ne me sert à rien s'il n'y a pas de morceau de glace. Nous n'avons pas de glace. Alors mets un peu d'eau froide dedans que je le pose sur ma tête, allez. Très bien. Demande qui c'est. Est-ce qu'on pourrait voir Monsieur Hardy? Mais qu'est-ce qui vous prend? Oh, bonjour, docteur. Bonjour. Bon, et bien maintenant, je vous laisse. Je reviendrai ce soir. J'en serai ravi. Au revoir. Tu viens, Jean. Est-ce que tu veux une banane, chérie? Oh oui, alors. Tiens, ici. Au revoir. Au revoir. Reviens me rendre visite dans la semaine. Oui, je viendrai. Tirez-moi la langue. Où y a-t-il un peu d'eau? Là, dans l'évier. Servez-vous. Tu ne réalises pas que je suis à l'agonie. Je vais examiner vos poumons. Allongez-vous sur le dos et ne bougez plus. Bien, docteur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un appareil que j'ai inventé. L'exhalateur. Jusqu'à 50, c'est la norme. Si vous avez plus que ça, alors c'est que c'est grave.
Tenez-moi ça. Et vous, soufflez là-dedans. Oui, docteur. Là. Donnez-moi la main. Non, 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 non. Faites exactement ce que je faisais. Appuyez. Alors, comment te sens-tu? Alors, d'après vous, que puis-je bien avoir, docteur? Juste ce que je pensais. J'entrevois un cas grave de cornophobie. Cornophobie? Oui. Vous détestez les cornes, ce qui veut dire que vous allez faire sûrement de la cornomanie. Il vous faut un très grand repos et je vous recommande surtout le silence. Et en dehors de ça, de suivre une cure de Leadbeak. Un cœur de Leadbeak? Pas un cœur, une cure. C'est U-Q-R-E. Alors, un litre de lait matin et soir. Je n'aime pas le lait et j'ignore où aller en vacances. L'océan serait un excellent séjour. Vous y aurez le grand air. Le lac du Bois de Boulogne à la rigueur, mais pour rien au monde, je n'irai sur l'océan. Bien. Comme vous voudrez. Je ne vous force pas. Mais ne revenez jamais vous plaindre, car si vous essayez de vous moquer de votre docteur, vous en mordrez les doigts. Et encore autre chose. Aïe! Eh bien, je crois que tu ferais mieux de l'écouter. Tu as entendu ce qu'il a dit. En faisant le sourd, tu appelles la souffrance. Continue si ça te fait plaisir, idiot. Mais jamais, au très grand jamais, je n'irai sur l'océan. Cornomaniaque ou non cornomaniaque. Je voulais te rendre service. Hey, écoute. Excuse-moi. Je crois que j'ai trouvé un moyen. Nous ne sommes pas obligés d'aller sur l'océan chercher de l'air. Qu'est-ce que tu veux dire? Il vaut mieux louer un petit bateau et puis en faire notre domicile en le fixant fortement au dock. Nous aurons ainsi l'air de la mer. C'est idiot d'aller au grand large. Mais ce serait peut-être se moquer du docteur. Oh, penses-tu qu'il pense ce que nous pourrions penser? Parce que s'il pense ce que nous pensons, il pourrait bien penser que nous avons pensé ce qu'il pense. Qu'est-ce que tu en penses? Tu ne dis rien? Je crois que nous allons suivre ton conseil. Allez, j'ai une autre idée. Tu devrais aller prendre un bain. Le docteur t'avait défendu d'en prendre cette année. Nous l'aurons procédé de plusieurs manières. Stan, tu as des idées très énergiques. Et pendant que je prends mon bain, tu vas nettoyer cette pièce. Oui, Harley. Je croyais avoir dit que je voulais le plombier cette semaine.
Mais je l'ai envoyé chez vous, monsieur Hardy. Passez-le-moi, s'il vous plaît. Oui. Alors, est-ce que vous avez réparé la plomberie dans la salle de bain? Oui, pourquoi c'est pas bon? Mais non, tout est monté à l'envers. Pourtant, je l'ai rangé l'autre jour et tout allait très bien. Au lieu de faire de la plomberie, vous devriez faire les concours de mots croisés. Hein? Qu'est-ce qu'il a pris? Pardonne-moi. Je voudrais, si tu n'es pas trop occupé, que tu me réchauffes un grand bol de café. Tu préparais le café silencieusement. Ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute au plombier. Oh, c'est comme ça, hein? Eh bien, je te remercie de me le rappeler. Je descends tout de suite chez le plombier, lui apprendre à faire son métier. Oh! Vous avez l'air tout troublé. Troublé, mais notre chambre est complètement bouleversée. Venez voir. Ah, vous aussi? Regardez dans la mienne. Voyons ça. Je n'y comprends rien du tout. J'ai essayé de mettre la radio ce matin et voilà ce qui se passe. Oh, ça! Et attendez, ce n'est pas tout. Regardez. Oh, eh bien, alors ça, c'est le comble. Je ne remonterai pas avant de l'avoir tué. Oh. Allô? Allô, monsieur Laurel. Le professeur O'Brien désire monter pour vous donner votre leçon. Oh, j'en suis enchanté. Ce doit être ma leçon de musique ce matin. Mm-hmm. Eh bien, quand il sera là, dites-le-moi. Au revoir. Au revoir. Ah, buongiorno, signor. Il y a un cyclone? Non, pas que je sache. C'est drôle, je ne l'ai pas senti. Bien, nous ferons d'abord un peu de pratique, hein? Allons-y. Où se trouve la carte? En dessous. Merci, hein, pas de quoi. Alors, maintenant, écoutez-moi. Faites exactement ce que j'ai fait. Entendu? Répétons. Ah.
Maintenant, jouons ensemble. Attention. Commençons. Des cornes ? Des cornes ! Des cornes ! Des cornes ! Qu'est-ce que c'est? Et que je ne vous y reprenne plus, espèce de cessant! Oh, calmez-vous, signor! Que vous méritez! Allô? Qui vous a autorisé à faire monter n'importe qui à notre appartement? Qu'est-ce que tu dis? Stan! Dépêche-toi! Aide-moi à remonter! Aide-moi, Stan! Aide-moi! Hé, Stan! Je t'en prie! Aide-moi au secours! Au secours! Stan! Fais-moi! Je l'ai dit, Stan! Hey, dites-moi, où est le trottoir? Dehors, dans la rue. Je vous remercie. Stan! Stan! Dépêche-toi! Aide-moi, Stan! Vite! Stan! Stan! Fais vite! Stan, dépêche-toi! Surtout ne tombe que lorsque le matelas sera en dessous! Alors, dépêche-toi, je sens que je vais tout lâcher! Une toute petite minute! Excusez-moi, je passais ça. Là-dedans. Voilà, qui est-il? Vous désirez me voir? Oui, je suis Monsieur Hardy et ça, c'est mon ami Laurent. Enchanté. Hier soir, nous avons téléphoné pour louer un bateau. Ah, c'est vous, très bien. Vous n'avez qu'à descendre par ici, je vous attendais, tout est prêt. Allons-y. Cette chèvre est à vous? Oui. Très bien, suivez-moi. Oh! Voilà, c'est celui-là. Il fut un temps où c'était un des plus jolis bateaux du port. Je vous accompagne à l'intérieur. Comme ça, il a l'air de rien, mais c'est exactement ce qu'il vous faut, à condition que vous ne quittiez pas le quai. Maintenant, si vous avez besoin de moi, je suis à côté. Très bien. Nous vous remercions beaucoup. À bientôt, marin. Au revoir. Et à la grâce de Dieu. Hey, que faut-il que je fasse de Narcisse? Attache-la au quai.
Je crois que nous serons bien ici. Bon, reposons-nous. Tu sais, tes nerfs vont mieux déjà. Tu es moins agité. Pourquoi est-ce que tu as amené ce trombone? Oh, ça? Parce que le professeur a dit que si je ne faisais pas d'exercice, je n'aurais plus de souffle. Et alors... Si tu souffles dans ce machin, je te le casse sur la tête. Est-ce que tu te rends compte de l'effet que cet instrument a sur moi? Ça me rend complètement marteau. Ça me donne envie de tuer quelqu'un. Et j'aurai la force de le briser en deux et de le jeter par terre. La musique de ton instrument me rappelle le sol mineur du patron. Il n'y a pas de quoi s'exciter. Qui donc est excité? Toi, au lieu d'être bien calme, c'est le docteur qui l'a dit. Il ne faut surtout pas te mettre en colère et suivre ton régime. Avec ce voyage, tu n'as pas eu ton lait de pique ce matin. C'est vrai, je n'y pensais pas. Tu ne penses à rien du tout. Rapporte-moi. Très bien. C'est excellent pour les nerveux et justement, tu es nerveux, toi. Pardonne-moi. Et combien faut-il t'en apporter? Le plus possible. C'est entendu. Mais dis-moi, tu sais traire les biques au moins? Oui, j'ai déjà travaillé comme laitier. Tu tiens le récipient ainsi. Ensuite, tu saisis la queue de la bique et tu l'agites sans arrêt. Voilà, ce n'est pas difficile. Même pour un gaucher. Il tient le récipient de l'autre côté. Moi qui ai de l'éducation, je tiens ainsi parce que... Tenir la queue dans cette main. Quelle ignorance. Nick l'éventreur s'évade de la prison. Édition spéciale. Tous les détails sur l'évasion de Nick l'éventreur. Demandez notre édition spéciale. $20,000 de récompense à qui permettra de retrouver Nick l'éventreur. Édition spéciale. Dernière nouvelle. Dernière nouvelle sur l'évasion de Nick l'éventreur. Demandez notre édition spéciale. Nick l'éventreur a réussi à s'échapper. Merci. Grosse récompense à qui l'on retrouvera, mort ou vif. Oh, ça y est, j'en ai une. Je crois que celle-là t'intéressera. Écoute, un jour, la mère Hubert s'en va dans sa commode chercher un os pour son cher bulldog. Mais elle regarde partout et ne trouve même pas un petit os. Alors le bulldog n'aura rien. Pauvre toutou. Elle va chez le boucher demander un peu de viande. Mais lorsqu'elle revient, le bulldog était mort. Oh, ça! Elle court chez le charcutier et lui commande une livre de tripes. Mais lorsqu'elle revient, il fumait sa pipe. Je croyais qu'il était mort. Coucher. Narcisse. Chut, chut.
Tu fais, dis donc. Chut. Qu'est-ce qui se passe? Nancy, c'est à ma place. Eh bien, dis-lui de partir. Je lui ai demandé, mais elle n'a pas l'air d'entendre très bien. J'ai été forcé de venir dormir dans ton lit. Alors, pourquoi murmures-tu de cette façon? Quoi? Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Parce que je ne voulais pas te réveiller. Oh, merci, tu es bien bon. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu vas partir et retourne à ta place? Tu ne pourrais pas me réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? La piquette vient de sortir. Elle a très bien fait. Oui. Alors éteins cette lanterne et laisse-moi dormir en paix. Et ne fais plus de bruit. Non, chef. Alors allez de ce côté et vous autres, venez avec moi. Est-ce que tu as bien dormi? Très bien, et toi? Moi aussi. Tu avais raison, Stanley. On a autant l'air de la mer en restant le long des docks que lorsqu'on se trouve en plein océan. C'est exactement ce que je disais. Et tu suis les ordres du docteur de cette façon-là. C'est vrai, je vais beaucoup mieux et je serai dire oui après un bon sang. Ça tombe bien, j'ai l'estomac dans les talons. Moi aussi. Veux-tu te dépêcher d'aller faire le marché? Attends, je range mes affaires. Alors, ça va, les enfants? Où allez-vous comme ça? Vous êtes bien curieux, vous. Et où voyez-vous des enfants à part mon second et moi? Et vous apprendrez que c'est interdit de monter sur mon yacht sans notre permission. Et méfie-toi, nous sommes deux et nous allons t'évacuer si tu refuses de sortir. Écoute, gros pignouf, m'a souvent dit quand j'étais petit qu'il fallait toujours moucher son nez avant de causer.
Tu ne dis rien, tu supportes ça? C'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir à l'instant. Si je trouve un agent, je te fais emprisonner. Non, faisons autre chose. Cherchons un gendarme qui va appeler un flic. Ça fera plus d'effet. Qu'en penses-tu? C'est une excellente idée. Tu iras les chercher tandis que je surveillerai ce ruffian. C'est entendu. Toi de là, je vais m'en occuper. Et alors là, il verra. Ça va être bien fait pour lui. Les enfants, gros pignou, hein? Encore quelques minutes de patience et ces mots te rentreront dans la bouche. Hey, Ollie. Quoi? Sors dehors une minute. Bien sûr. Je vais y aller, mais je garderai toujours un œil ici. Qu'y a-t-il? Regarde, on ne voit plus les quais. Quelqu'un a dû les déplacer. C'est peut-être lui qui les a cachés. C'est vous qui avez enlevé notre quai. Je vous conseille de ramener sans délai, sinon je vais être obligé de me fâcher. C'est très drôle. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est très drôle? Vous ignorez sans doute qui nous sommes. Oui, je l'ignore. Moi, je suis M. Hardy, et lui, c'est mon ami, M. Laurel. Qu'est-ce que c'est? Je vous intime l'ordre de nous rendre le port, si... Alors, vous êtes M. Hardy et lui, Laurel, hein? C'est ça. Eh bien, maintenant, votre nom va être Dizzy. Et le vôtre va être Topé. Aucune objection à ça? Aucune. Aucune. Si ce n'est pas trop vous demander, j'aimerais bien savoir à qui nous avons affaire. Je suis M. Nick. Très heureux, M. Nick. C'est un nom bien agréable. Mmh. Et tenez, je vous présente Nick Junior. Alors maintenant que nous nous connaissons, cessons ces formalités. Vous êtes bien d'accord? Certainement, monsieur Nick. Bien sûr. Très bien. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui dirige. C'est entendu. Allez en bas et dépêchez-vous de me faire à manger. Mais s'il n'y a rien dans la cuisine, nous devions déjeuner au port et on n'a rien non, à manger. Non, il n'y a rien. Arrangez-vous comme vous voudrez, je veux manger. Vous avez compris? Mais allez, monsieur toi Nick, aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit que nous n'avons pas? Descendez. Si vous refusez, Nick Junior est toujours prêt à s'occuper de vous. Non, seulement, je ne sais pas ce qu'on vous donnera. Grouille-toi, Dizzy, descends. Oui, monsieur. Et appelez-moi quand ça y sera. Tu as réussi encore une fois à nous mettre dans un joli pétrin. Mais je n'y suis pour rien, Dizzy. Tu trouves, toi, que tu n'y es pour rien. Et je te prie de ne pas dire, Dizzy. Topé, c'est une de tes idées de nous installer sur ce bateau. Je t'assure que désormais, j'agirai toujours suivant des idées qui seront de moi. Et si jamais j'ai la veine de sortir de cette aventure, je ne suivrai jamais plus tes conseils. Dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire à manger? Nous n'avons rien. Bien, je vais lui servir un déjeuner factice. Qu'est-ce que tu appelles factice? C'est quelque chose fait synthétiquement. Mais nous n'avons rien du tout. Alors, qu'est-ce que... Tu es une andouille. On va trouver des choses qui imiteront les vraies. Nous lui donnerons cette ficelle comme spaghetti. Et ce morceau de savon fera le gratin, ainsi de suite, tu comprends? Mais alors nous allons l'empoisonner, j'ai peur. On est forcé. Ou bien nous descendons Nick, ou Nick Junior nous descend. Tu as raison. Un homme averti est égal à deux hommes avertis. Topé. Tu es magnifique. Merci, Dizzy. J'ai une idée. Garde-la et prépare le plat. Hey, est-ce que cette éponge peut être utile? Oui, nous allons la couper. Elle servira comme boulette de viande. Excellente idée. Hey, arrange la table maintenant. Hey, regarde. $20,000 de récompense pour la capture de l'assassin. Oh,
s'il veut manger ce déjeuner, les 20 000 dollars sont à la portée de ma main, Stan. Et moi, tu m'oublies? Sois sans inquiétude. Alors je vais continuer. C'est ça. Crois-tu qu'il aimerait du bacon? Ouais, il faut en mettre une bonne tranche. Qu'est-ce qu'on va prendre pour la sauce? Jette un coup d'œil et essaie de trouver un liquide quelconque. Hey, que penses-tu de cette peinture rouge? Parfait, chauffe-la. Il nous faut du pain. Eh bien, dépêchons-nous de fabriquer des biscuits. Et comment faire? J'ai emmené de la poudre avec moi. Chef, qu'y a-t-il, Mac? Ça ne va pas? J'ai loué mon yacht hier soir à des marins d'occasion, et ce clown ne tient pas la mer. Aussi, je leur ai dit de rester à quai, mais ils ont disparu, je suis inquiet. C'est bien, nous allons nous en occuper. Merci, merci, chef. En avant, toutes. Ça a l'air délicieux. Ça sera. On ne dirait pas que c'est fait sympathiquement. Quel magnifique repas. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est le café. Où l'as-tu pris? C'est de l'eau et du tabac. Ça va l'achever, cette boisson. Oh, monsieur Nick! Monsieur Nick, le déjeuner est servi. Déjà? Déjà, oui. Venez à table pendant que c'est chaud. Bon. C'est délicieux. On dirait. Spaghetti. Quelle chance, c'est mon faible, le spaghetti. Est-ce que vous voulez boire un peu de café? Tout à l'heure. Très bien. Je suis sûr que ce sera bon, car la recette vient de ma grand-mère. Oh, elle n'a jamais pu les réussir. Eh bien, sûr que c'est si bon. Allez-y, mangez. Je n'ai pas compris. Mangez. Mais je n'ai pas faim. Est-ce que tu as faim, Holly? Non, et je suis à la diète. Est-ce que vous entendez? Mangez. Non, garde-les. Eh, allez, mange. Encore un autre. Et toi, tu ne manges pas? Je n'aime pas les biscuits. Je ne les digère pas. Mais je vais en prendre un petit. Et un pour demain matin. Regardez, je n'ai ni cuillère ni fourchette. Tiens, je te donne la mienne. Prends celle-là, Didi.
coup. Elles sont bonnes, les recettes de ta grand-mère, hein, Lizzy? Et toi, tu aimes ça? Dopé. Merci. De rien, cher ami. Joue encore, Stan. Il va me faire du mal. Oh. Kitty. Je te conseille d'ouvrir cette porte, Kitty, sinon ça va mal aller. Dépêche-toi de jouer. Vite, répare cette porte! J'ai oublié comment faisait le professeur! Stan, je t'en prie, joue! Dépêche-toi! Fais marcher la con! Stan! Dépêche-toi! Dépêche-toi! Stan! Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Qui c'est celui-là? C'est le type qui nous a kidnappés. Kidnappés? Oui.
Mais ce n'est que l'éventreur. Il est recherché dans la région. Emmenez-le, les gars. Prenez ce bâton en remorque. Vous êtes tous les deux très courageux. On vous récompensera pour ça. Pourquoi, dites-vous, nous deux? C'est moi seul qui aurai la récompense. Je croyais que vous partageriez. Ça, non, alors. Ce n'est pas la peine de partager. Bien entendu. C'est lui qui règle nos dépenses. Mais je serais curieux de savoir comment vous l'avez attrapé. Eh bien, ça n'a pas été très facile, mais je l'ai... Allez, raconte-le-lui, puisqu'il demande. Ne sois pas idiot toute ta vie. Sois gentil. Mais succédez-lui. Très bien, alors écoutez-moi. C'est une terrible histoire. Lorsque les deux gars sont montés... Deux gars? Oui, il y avait Nick Léventreur et Nick Junior. Et je vais vous épater maintenant. J'ai eu une bonne idée. Et alors, j'ai fait comme ça. Écoutez. La corde! Dans quelle cellule est Nick? Au numéro 3. Eh bien, tu nous as mis dans un joli pétrin. Oui, c'est pas votre